Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche ich zunächst Jung zu sein. Le discours de Gaulle à la jeunesse allemande, un discours dont on fête les 50 ans aujourd'hui, le 9 septembre 2012, a vraiment porté finalement création allophage, puisque de Gaulle a eu cette intuition assez visionnaire de s'adresser à la jeunesse en Allemagne. Par là, il leur a finalement montré toute la reconnaissance, toute l'estime qu'il portait à cette jeunesse, la jeunesse d'un peuple dont les valeurs avaient failli. C'est vrai que le fait de manière métaphorique de s'adresser, de se tourner vers l'avenir, c'était une intuition géniale du général. Et ce qui était encore plus génial, c'est qu'il a fait son discours en allemand. Adenauer und de Gaulle haben ja mehr oder weniger den Anfang nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, indem durch die Élysée-Verträge, dass man sagt, was man heute ja auch noch spürt, dass Frankreich und Deutschland ganz wichtige Punkte in der EU sind. Das war damals der Beginn, das war die große Vision de Gaulles, der ja einem Volk, was so viel Grausames angerichtet hat mit zwei Weltkriegen, auch in dieser Rede verziehen hat und gesagt, wir müssen nach vorne gucken, wir müssen für ein friedliches Europa werben, wir müssen in die Zukunft gucken und wir müssen die Zukunft bauen. Das ist natürlich im Endeffekt nicht nur eine Warnung, die wir vielleicht aussprechen, sondern auch ein Impuls, wieder zurück an de Gaulle zu denken, warum hat er Europa gegründet? Warum hat er gesagt, der Krieg ist vorbei und darf nie wieder kommen? Le système capitaliste financier dans lequel nous vivons maintenant depuis plus de 50 ans, cette façon de poser le problème nous a fait perdre de vue les valeurs essentielles qui ne peuvent pas être des valeurs d'argent, qui doivent être des valeurs de droit, de démocratie, de vivre ensemble pour le bien-être de tous. Ça change peut-être d'une pièce de théâtre plus classique. Die Musik bringt die Botschaft auch sehr gut rüber, weil man dafür keine Worte braucht. Vor 50 Jahren hat die Jugend sich auf den Weg gemacht, Europa zu bauen. Und wir leben heute in einer Zeit, in der Europa für viele normal ist. Und wir müssen aber Tag für Tag um dieses Europa kämpfen. Und das wollten wir heute auch mit diesem Fest, mit dieser Feier, mit dieser Performance wieder deutlich machen. 50 Jahre zu feiern mit Jugendlichen ist wichtig, weil wir ja nicht stehen bleiben dürfen bei 50 Jahren. Es ist wichtig, dass wir daran erinnern, was wir in 50 Jahren alles erreicht haben. Aber wir müssen uns auch in die Zukunft richten. Und ja, wer anders kann das repräsentieren, die Zukunft, als Jugendliche? C'est une partie de l'histoire, moitié allemande, moitié française. Donc c'est important de, entre guillemets, commémorer ce grand événement. Et donc c'est un peu penser à nos anciens et c'est leur rendre hommage maintenant qu'ils sont partis. Das geht von Generation zu Generation und muss halt am Leben erhalten werden. Und das geht halt nur durch die Jugend. C'était extrêmement émouvant que de voir aujourd'hui les jeunes des deux pays célébrer ensemble l'anniversaire de ce traité, de ce discours fondateur, très beau d'ailleurs, qui nous a permis, après les déchirements de la Deuxième Guerre, de revenir à des notions essentielles qui sont de se dire qu'il faut que deux pays qui vivent côte à côte aient une amitié réciproque et que leurs jeunes se connaissent, puissent se parler et que leurs jeunes puissent essayer de bâtir ensemble quelque chose. Et finalement, je crois que le rôle que l'OFA joue dans cette construction d'une amitié franco-allemande est essentiel. Parce que c'est parce que les jeunes ont envie de se connaître, de s'apprécier, que nous pouvons bâtir une sorte de colonne vertébrale qui permettra à toute l'Europe de tenir debout.